السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سالو يا توت يا توسي بيانفينو اليوم الدرس الرابع من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية لاكسون غاف العلامة المفخمة لاكسون غاف وتكتب على هذا الشكل ما إلى نحو اليمين وتنطق إذا كانت سيغ أو إي إي لو سون عكس لاكسون ايغو العلامة الحادة التي تكتب نحو اليسار مائلة نحو اليسار وتنطق اي اي لو سون افيرمي لاكسون غراف نو بو سو يعني العلامة المفخمة لا توضع الا على ا او اي هذه هي الحروف المتحركة التي توضع عليها العلامة المفخمة Avec accent grave, c'est une préposition. On dit « Je vais à la pharmacie ». Ou avec accent grave, indique le lieu. C'est un pronom relatif ou bien interrogatif. On dit « Où habites-tu » Alors, le mot « père ». Regardez l'ab père ». Écoutez bien la prononciation. « Père », le son est ouvert, la bouche est ouverte. Les lèvres sont ouvertes. On met l'accent grave sur a u e dans certains mots pour distinguer les homonymes. les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière mais qui n'ont pas le même sens. Darasna hada hada Donc regardez a a a sans accent si le verbe avoir représente de l'indicatif. Ou fil al-milkia, fil hadr. Donc, yakoun ma il, Mufred sans s, el » sans s et en. A avec accent grave, c'est une préposition, c'est déjà dit. Ou sans accent, indique le choix. C'est une conjonction de coordination. L'hsiyar. Methalan, tu veux du café ou du lait? Al-turid kahwa ou halib? Ou avec accent grave, on a dit qu'il indique le lieu. D'accord D et D. -dé. D sans accent, c'est un déterminant ou bien c'est un article indéfini, yani, edet tenkir, ou bien article contracté, edet jzia. Alors que D avec accent grave veut dire depuis ou bien à partir de, c'est une préposition de temps ou bien de lieu, d'accord. Alors, un mot ne finit jamais par un accent, par un e avec accent grave, jamais, jamais. يعني لا يمكن لكلمة أن تنتهي بـ e avec العلامة المفخمة ebeden un mot se termine par un S au singulier. On met accent grave. Si S au singulier, exemple, prêt, prey, après, succès. Regardez, succès, c'est un mot singulier avec S. Donc, S, c'est du singulier. Mais attention, regardez le mot l'été. Facile safe. L'été. C'est un nom qui est au singulier. Se termine par e accent aigu. Bien qu'on a Sabirène, bien qu'e accent aigu, tu ne peux du mot. e accent grave, il est impossible d'être à la Donc ici l'été est au singulier. Les étés. Regardez ici, les étés, c'est le pluriel de l'été. Donc on a ajouté ici un s. Ici. Et c'est la marque du pluriel. Ce n'est pas du singulier. D'accord. Donc faites attention. On écrit e avec accent grave quand la voyelle de la syllabe suivante est un e muet. Faites attention ici. نكتبو العلامة المفخمة فوق e إذا كان المقطع الصوتي الذي يلي e يحتوي على e muet. Exemple. père c'est un mot qui se forme de يتكون من مقطعين صوتيين لاحظوا المقطع الثاني المقطع الثاني نجد فيه او صامته دونك اون مي اكسانت غراف سور او père flash ce mot se compose يتكون من مقطعين صوتيين regardez المقطع <mot> الصوتي الثاني نجد <muches> فيه او صامته E muet ne se prononce pas. Donc, on met accent grave sur E qui précède cette syllabe. Collège, la même chose. Regardez, la syllabe qui suit E se termine par un E muet. Dans ce cas, on met l'accent grave. D'accord L'accent aigu. L'accent aigu. On met l'accent aigu quand la voyelle de la syllabe suivante n'est pas un e muet. D'arz mais ici on met l'alema l'mfakhima, si le segment sonore qui est à l'é, se trouve à l'é samita. On met l'accent grave sur e.

V et R, harféin, samitein. le harf, teni, فهوا, R. Donc, on met l'accent grave. La fièvre. La fièvre, il La fièvre, l'harara. Regardez, fièvre. E précède la lettre V et R. Deux consonnes. Regardez la deuxième consonne. C'est un R. Donc, accent grave. Une nefl. Nefl, il Donc, lahidou. Après E, il y a la lettre F et L, deux consonnes. Harfain, samitein. La le harfetani, oua L. L, donc on met l'accent grave. Le trèfle. Trèfle, la même chose. Après E, il y a F et L. Le fa wa L. Donc on met accent grave. D'accord? On trouve l'accent grave ici pour de là, de ça, voilà, c'est-à-dire les composés de là, de ça, voilà, mais pas d'accent sur le pronom cela. Yani, on ne trouve pas d'accent, c'est-à-dire que cela ne s'écrit pas avec un accent grave sur A. Cela, ou accent grave sur A. Ce n'est pas comme de là avec accent grave, de ça et voilà. D'accord?